Production funding for En Français is made possible in part by Cotafil. Bien avant la télévision, bien avant la radio, les Acadiens de Louisiane avaient l'habitude de se rejoindre après le souper, sur la galerie de la maison s'il faisait beau, ou peut-être autour du foyer en hiver. Les veillées, comme on les appelait, étaient dévoués surtout à la chanson et aux contes. Parmi les personnages décrits dans ces contes, il y avait de nombreuses légendes indigènes et originales. Parmi eux, les Tataï, Kouchmal, Jean Sotte et Madame Grandbois. Mais il existe également dans notre pays certaines légendes qui sont vieilles comme l'histoire de l'homme. Notamment, on dit qu'il y a des pauvres malheureux qui se transforment en loups blancs chaque pleine lune. Est-ce que ces loups-garous étaient des victimes innocentes d'une terrible condition hors de leur contrôle? Ou est-ce que leur transformation était le résultat d'un pacte avec le diable? Ça dépendait d'avec qui on parlait. Enfin, il y a presque plus de veillées à cette heure. Et il y en a qui disent que nos légendes sont après disparaître. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des grands frissons à la seule mention du nom Chien de Lune. La légende du loup-garou a été l'objet d'un film tourné en Louisiane par une équipe canadienne en coopération avec Louisiana Public Broadcasting. Le film fait partie d'une série sur les légendes du monde. On s'est inspiré de l'ensemble des légendes qui concernaient les loups-garous et on a écrit une nouvelle histoire, mais cette histoire-là, donc, elle prend ses racines dans le folklore des histoires de loups-garous. Via le Monde est une compagnie privée établie à Montréal depuis 1967 qui est avant tout spécialisée à faire des films un peu partout dans le monde. De là le nom Via le Monde. C'est pas ta première visite en Louisiane? Non. Avec Via le Monde, c'est la deuxième visite en Louisiane. Je suis venu également deux autres fois. Pour des projets personnels. Qu'est-ce qui t'a fait décider de revenir ici? Parce que après avoir produit il y a environ un an et demi La Butte de coquille, les gens de Cotafil, de LPB et aussi du Théâtre Cajun ont manifesté le désir de faire un autre film puisque la série continuait. Et cette invitation-là a été formulée l'automne dernier et ça nous a pris quelques mois pour préparer un nouveau projet, choisir une nouvelle histoire, organiser l'équipe et tous les détails que ça comprend. Et en fin du compte aussi, écrire le scénario. Y a-t-il eu des surprises? Des agréables surprises, surtout au niveau des comédiens, c'est-à-dire leur implication, la qualité de leur jeu, la discipline aussi, l'autodiscipline, self-discipline. Ça a probablement été ma plus agréable surprise. Bien souvent, il faut y aller par la psychologie et avec des explications bien en profondeur pour que la personne comprenne vraiment ce qu'elle doit livrer comme émotion, comme dialogue. Ça demande plus d'attention, ça demande plus de patience aussi.
Par contre, la satisfaction est là parce que quand on arrive à faire jouer des comédiens semi-professionnels ou amateurs et qu'à l'écran, ils arrivent à apparaître aussi bien que des professionnels, ça, je trouve que c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui t'a fait décider de passer cette audition-là? Pour avoir une chance à faire ça toute ma vie. J'ai aimé le faire toute ma vie. Mm-hmm. T'avais pas peur quand t'as été passer l'audition? Ouais, j'avais pas peur. J'étais un peu nerveux, mais j'avais pas peur. Je suis sûre que t'as vu beaucoup de films dans ta vie. Est-ce qu'il y a eu des surprises pour toi de comment on fait un film? Oui, c'est un temps plus dur que tu crois. Quand tu regardes sur la TV et là, quand tu le fais, tu travailles avec. C'est un temps plus dur. Ça prend un temps plus de temps que tu crois. Gino, il y a un tas de monde aujourd'hui qui dit que les jeunes en Louisiane parlent plus le français. Comment ça se fait que toi, tu le parles si bien? Parce que tout, ma grand-mère parle français et tous mes frères et mes soeurs. Et ça, tu parles français quand ça vient à la maison et tu parles avec les autres. Comment ça se fait que toi, tu as décidé de passer l'audition pour ce film? Je connais pas. Il m'a dit que tu m'as dit, va, essaye, tu peux le faire. Et ça a-t-il l'a eu? Mm-hmm. Tu étais surpris que tu as eu le rôle? Oui. C'est content et tard. Ils l'aiment ça et tard aussi. Toi et Carl, vous ne connaissez pas depuis longtemps. Hein? Non. Peut-être deux semaines et demie, c'est tout. Depuis le film a pris. Et c'est tout qu'ils l'avaient connu. Mais on dirait que vous connaissez depuis longtemps. Oui. Oui, le monde qui dirait que le film, pour nous autres faire comme ça, tu connais. À ce ça vient, ça dit, je viens naturel. Les deux jeunes acteurs ont connu toutes sortes d'aventures pendant le tournage. Vers la fin, Carl s'est tordu la cheville. Oui, je t'ai fait galoper, je t'ai fait travailler, je t'ai fait galoper. Et quand je suis venu pour me tourner, il y avait un morceau de gravois et j'ai glissé dessus. Et tout mon poids était dessus, ma jambe s'est tombée. Je m'ai fait un tas de mal dessus. Mm-hmm. Explique-nous pourquoi tu galopais. Mais le loup-garou te peut me courser. Il fallait que je me sauve. J'avais l'as, je faisais comme si j'avais l'as. Et je suis arrêté pour un petit bout de temps pour attraper mon souffle. Et quand je suis arrêté, c'est quand je suis tombé. Gino aussi a fait face à des difficultés inattendues. Gino, il paraît que tu as eu un petit tracas, toi et ton cheval, l'autre jour, n'est-ce pas? Tu veux nous raconter ça? Oui, j'ai amené mon cheval là-bas. Il avait besoin de cheval pour faire des signes. J'avais marré mon cheval dessus une porte. Yeah. Il avait pioché dans les herbes avec ses pieds. Et là, des billes qui sont venues, ils ont piqué le cheval. Ils l'ont tiré pour trapper mon cheval, ils m'ont trappé moi aussi, ils m'ont biqué là. Pas qu'il fait du mal, Jack. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ouais, ils m'ont emmené moi à l'hôpital. Yeah. Tout ce que tu as appris ça, c'était correct. Alors oui, pour le film, j'étais l'assistant caméraman et le directeur de production. L'assistant caméraman, c'est lui qui règle ou qui s'occupe de tout le matériel de prise de vue. Par exemple, bon, j'ai tout préparé la caméra, mettre du film dans la caméra, transporter la caméra, faire les mises au point, toute la technique de la caméra. D'aider Bruno à faire le meilleur film possible, dans les meilleures conditions possibles. C'était un grand soleil chaud qui a brillé sur la plupart des jours de tournage. Puis, une dépression tropicale s'est manifestée dans le golfe du Mexique. Ben, c'est pas vraiment des problèmes, mais disons qu'il y avait un ouragan dans le golfe. Puis pour nous, du Québec, ils ne sont pas habitués aux ouragans. C'était inquiétant d'entendre ça à la radio, de dire tapez vos fenêtres, fermez, faites attention, c'est l'état d'urgence. Pour nous, c'était inquiétant. Et comme directeur de production, c'est inquiétant de savoir si on va pouvoir continuer à tourner et être obligé d'arrêter. Parce que si on arrête, c'est beaucoup de problèmes. L'ouragan a atterri au Texas en envoyant des avalanches vers l'est.
mais l'équipe a continué de travailler. La plupart des sites de travail étaient isolés à la campagne. Bon, on a voulu fixer l'époque à la fin des années 30. Chose comme ça. Donc, de là, le restant découle de ça. C'est-à-dire que on essaie de trouver des lieux où il n'y a rien de moderne alentour, des lieux qui vont convenir à cette époque-là. Et donc, des lieux assez sauvages, qui ont l'air assez sauvages, dans la forêt, le long des bayous et tout ça. Mais pour les trouver comme tels, on dépendait des gens d'ici, de Randy, de toi un peu, de Charles, de différentes personnes, pour arriver à en visiter plusieurs lieux afin d'en choisir un pour telle scène et un autre pour telle autre scène et un autre pour telle autre scène. Le film se passe beaucoup dans le bois, dans les marécages ou à proximité des marécages. Donc, on a beaucoup de morsures de toutes sortes de bébites. Faire attention aux serpents ou à toutes sortes de choses comme ça. Transporter l'équipement là-dedans, c'est souvent pénible aussi. Les bêtes rouges ont fait leur carnage sur la peau des membres de l'équipe. Et il fallait rire beaucoup pour ne pas pleurer. La chaleur n'était pas si comique. Il fallait des gallons et des gallons de limonade et de thé pour satisfaire la grande soif des travailleurs. Et acteurs et équipe technique ont découvert que ce n'est pas toujours amusant de faire un film. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en travaillant sur Le Chien de Lune? J'ai trouvé que l'humidité, les temps chauds étaient très désagréables. La température était peut-être 95. La chose la plus difficile qu'on a eue, c'est la chaleur. Même on était là-bas à Crowley et j'étais renfermé dans un camion et il faisait beaucoup, beaucoup chaud. Et aussi la pluie nous a dérangé pour 2 jours. Ouais, là-bas, la pousse dans les bois et les bêtes rouges. Et là, quand ça fait du mal à ma jambe. Oh, ça fait aussi chaud. C'est ça qui dure. Comme tout le monde, la température, la chaleur. The most trying thing for me, besides the weather and the locations, was the fact that most everybody on the crew, except for me, speaks French. De faire le film, c'était que pour avoir l'apparence de la pleine lune, on l'a vraiment fait de le soir la pleine lune de ce mois de juin. Et on a eu pour tirer et être debout vers 3h30 jusqu'à 5h30 le matin. C'était bien dur à faire et aussi à cause de l'humidité dans les vieilles maisons acadiennes. C'était très chaud, des fois les températures montaient à peut-être 110 à 115. De déménager le tout. Le travail du régisseur, c'est lui qui prend soin du manger, c'est lui qui déménage les camions, les trocs, c'est lui qui déménage les plateformes, c'est lui qui déménage les échafaudages, c'est lui qui déménage le Coleman stove, c'est lui qui déménage tout. De travailler pendant l'été de la Louisiane, avec une chaleur de vapeur, vapeur de l'eau. C'était steamy heat et c'était des longues heures. Et je pense plus difficile, j'ai un petit enfant de 1 an et c'était dur de la pas voir. Elle était dormie quand j'arrivais à la maison et elle était toujours dormie quand je partirais. C'est avant tout une question que c'est de toute façon difficile de travailler dans des conditions trop chaudes ou dans des conditions trop froides, comme c'est souvent le cas chez nous en plein hiver. La journée qui s'avérait, qu'on croyait qu'elle était pour être la plus difficile, c'est-à-dire la journée de dimanche dernier, qui était toute la scène sur le pont avec les gens du village, le shérif, le médecin, les voitures, les chevaux,
les deux garçons à travers ça. Toutes les remarques des curieux du village qui sont venus là. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est que généralement sur les légendes que je tourne, il y a toujours une ou deux scènes avec beaucoup de gens. C'est important pour établir l'époque, établir les traditions de costumes, plein de détails qu'on n'a pas le temps de faire passer dans une scène à dialogue ou une scène qui concerne juste une ou deux personnes. Il faut vraiment le démontrer. Ça que j'ai fait pour le film, c'était plutôt avec la design du film, les détails de l'époque. C'était mis dans les années 35, les années 30, et j'avais besoin de trouver des vieux camions et faire un petit peu de recherche pour les costumes. Le plus difficile, c'était de trouver des personnes qui avaient des vieilles voitures et des bogeys, des chevaux, qui étaient capables de participer dans le film, parce que ça prend c'est pour toute la journée qu'on fait le film. Et souvent, le monde il fait ça comme avocation et on n'avait pas l'argent de les payer vraiment bien pour ça. C'était seulement les dépenses qu'ils avaient de leur poche. Mais c'est de trouver des personnes qui peuvent le faire, qui peuvent donner toute la journée pour nous autres pour le faire. Mais on a réussi et il y avait des personnes que j'aimais beaucoup, comme M. Crader, Dr. Wynn et M. Coussin et Mme Wanda Morgan qui ont tous participé et ils ont bien aimé la journée. Ils faisaient un petit pique-nique. Aucun film d'horreur n'est complet sans effet spécial. Pour simuler le point de vue du loup-garou, la caméra a été montée sur un cadre spécial avec lequel on pouvait imiter les mouvements d'un animal courant dans les broussailles. Les effets de son ont été ajoutés plus tard. Sur la jambe de Carl, les experts du maquillage, make-up, ont créé une vilaine blessure. Apparemment, le résultat d'une attaque par le loup-garou. Plus tard, ils ont fabriqué un bras grotesque de loup-garou avec de la colle, du fil et du latex. Pour une scène du script, il fallait montrer un lapin mort. Mais avec l'aide d'une drogue calmante et du thym rouge, un lapin vivant a très bien servi. Il y avait aussi des traces du loup-garou qui se transformait en homme. Et des égratignures de chiens sur le toit d'un char qui ont été dessinées avec du hairstyling gel. Il fallait aussi une cage primitive pour la scène clé du film. Pour garder son authenticité, toute la construction s'est faite à la main. Pour garder l'apparence naturelle de chaque scène, il fallait constamment cacher l'équipement de la vue de la caméra. Et quelquefois, il fallait même enrichir la nature. Pour créer une ambiance de mystère, il y avait même une machine de brouillard qui continuait où la nature s'arrêtait. Mais il y a certains moments où même la nature refuse de coopérer. Allez, toi! Bon, je viens de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. C'est plus ou moins l'autre Acadie, ou la première, ou la deuxième. Je ne sais pas trop quelle manière vous autres voyez ça. Puis je suis ici pour faire le son sur le film. 1-2, 1-2, 1-2. Puis c'est ça. Je suis ici pour faire le son pour le film de tournage de Chien de lune. Quels ont été les problèmes que tu as eus en prenant le son en Louisiane et dans les grands bois de la Louisiane? Bon, c'est pas mal facile à expliquer. Je sais pas si vous entendez l'avion qui passe, mais c'est ça qui est un de mes problèmes, parce que le film, ça se passe en 1935. Puis en 1935, les avions, c'était un peu rare, surtout dans la place. Puis l'image qu'on veut projeter dans le film, c'est quand même pas mal rural.
Fait qu'on a des problèmes d'avion, d'autoroute, de continuité au niveau du vent, des locusts aussi, qui s'appelle ça, les petits... Les cigales. Les cigales. Hermela, is it still okay? Les scènes de dialogue, les scènes de long dialogue, celle avec la cage et puis le chien qui attaque la cage, avec toute la pluie qu'il y a eu hier, ça a été particulièrement pénible. Mais je savais un peu à l'avance que ce serait difficile. Je savais pas qu'il était pour avoir de la mauvaise température, mais je savais que c'était pour être difficile. En tout, trois chiens différents ont joué le rôle du loup-garou. Quoique bien entraînés, eux aussi y faisaient leur début sur scène. Et comment transformer ces gentils animaux en monstres féroces? Pour ça, il a fallu la généreuse coopération des entraîneurs ainsi que l'aide extraordinaire d'un dentiste vétérinaire. La chaleur a été dure pour les chiens, mais ils ont trouvé leur propre moyen de se rafraîchir. C'était pas trop amusant quand c'était arrivé, mais après, parce qu'il n'y avait personne qui était blessé ou incapacité, c'était quand on tournait dans une petite cabane avec le chien qui devait monter sur le toit et j'ai gardé pour être sûr que tous les bois étaient bien faits, c'était pas pourri ou ça. Mais j'ai pas gardé pour le fer, le zinc qui couvre le toit. Et c'était couvert avec des feuilles et ça commençait de faire une terre là. Il y avait des débris qui s'amassaient pendant des ans. Et première shot, le chien et son maître monte sur le toit et le chien tombe dans un trou qui se ferme dans le toit, comme ça. Avec le passage des jours, l'équipe devenait de plus en plus optimiste quant aux résultats à venir. Le script est très bon, c'est bien écrit et je pense que le film va être très bon aussi. Pour qu'un tel projet réussisse, il faut une coopération énorme de la part de l'équipe. Les heures de travail sont longues. Et quand le metteur en scène criait « It's a wrap », signalant la fin de la journée de travail, c'était souvent bien longtemps après le coucher de soleil. Mais de ces longues heures, de ces petits ennuis, de ces grandes difficultés, ainsi que de ces beaux moments, se sont forgées de belles amitiés. Pour moi, les aspects les plus positifs durant le filming de le portrait Le Chien de Lune étaient qu'on était 25 personnes qui ne connaissaient pas l'un et l'autre. Avant, on a commencé 14 jours passés. Et puis, on s'est établi comme une grande famille par d'être ensemble nuit et jour. On a mangé ensemble, on a filmé ensemble, on a ri ensemble et puis on a braillé ensemble. L'expérience la plus positive, c'était probablement le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un qui sont professionnels du métier, en d'autres mots, des cinéastes de calibre, comme Bruno, Édouard et tout ce monde. Meilleur, je crois que c'était l'équipe. C'est une bande de personnes que j'aime beaucoup. J'ai eu le plaisir de travailler avec eux pendant des autres projets. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Le monde qui se travaille avec. Ils sont tout face. Je travaille avec le monde, je travaille avec. On rit tout le temps, on a un bon temps tout le temps. Ah, de visiter la Louisiane, que je connaissais pas, puis que je connais maintenant. C'est un très beau pays. C'est très intéressant, c'est beau. C'est toute l'équipe qui travaillait avec nous. Tous les gens de LPB, du Codophile, les Cajuns, toute la Louisiane. C'est tout l'enthousiasme, puis la motivation de tous ceux qui ont travaillé avec nous. Ce qu'il y avait de plus important dans tout ça, c'était de faire le meilleur film possible. Tous les gens sur le cast sont très photogéniques. Moi, je le vois dans le viseur. Quand je regarde dans le viseur, je ne vois pas l'éclairage autour, je ne vois rien. Je vois ce que la personne qui va regarder la télévision va voir. Et puis, je peux dire que tous les gens parmi les comédiens passent très bien à l'écran.
Et malgré le travail, il y avait aussi du temps pour s'amuser. Peut-être la dernière chose, c'est l'interview avec Bruno hier, que j'ai mis un peu de fumée. C'est un bon gag. C'est un bon gag. C'est un bon gag. C'était toi. C'était moi qui étais. Qui a eu l'idée puis qui l'a fait. Enfin, la dernière scène était tournée. Et la dernière boîte de films préparée pour le retour au Canada. Après tout, les membres de l'équipe avaient leur vie normale à retrouver. Mais quelle satisfaction de savoir qu'ils avaient contribué à la préservation d'une légende en danger de disparaître. On French in Louisiana, write Cotefil, Post Office Box 3936, Lafayette, Louisiana, 70502. Production funding for En Francais is made possible in part by Cotefil.